Après moult rebondissements, c'est finalement sur l'Aude que nous avons fait notre fermeture 2016. Et je tenais à dédicacer ces images à Bert et Passepartout qui ont été retenues professionnellement et nous ont manqué durant ce week-end. Wesso! Belle truite! Hop là! Pas de selfie, pas de... Après une après-midi du vendredi assez compliquée, le samedi matin, avec l'arrivée du vent et de la pluie, sera encore plus difficile. Au bout de ma canne, une bien belle truite d'une trentaine de centimètres. Et je dois cette prise au jeune Alex Preto, qui m'a parfaitement conseillé lors d'une énième conversation passionnée sur la nymphe à utiliser sur ce parcours. On voit ici Hugues et Jocelyne Sosigan qui sont venus nous rejoindre, deux fidèles amis du team. On se souvient Hugues qui avait été malheureux à Haro et qu'on retrouve ici en pleine forme. Alors on a été heureux de partager ce week-end avec eux. Ce fut une journée dans l'ensemble assez difficile pour les amis du team et pour les gars du team. Sauf peut-être une belle après-midi pour José et Couette, même si on voit ici notre ami Philippe remettre un joli ombre dans son milieu naturel. Je crois que c'est un nombre. Ah ouais. Putain, je... Oh le bâtard. Je vais me l'amener. Doucement. Je veux pas aller. Ah. Ouais.
C'est une truite. Ouais, c'est décroché. Mais descend. Tu l'as toujours? Hein? Elle est grosse. Je la vois, attends. C'est un homme. Il est là devant moi. Je le vois pas. On se retrouve ici, sous la tonnelle du team, à partager un apéro et une grillade. En toute amitié, toute simplicité, et avec beaucoup de passion, on a vu Peggy, Pascal et Alex, des moucheurs, des vrais, et oui, qui sont assis à la même table que les talkers, du moment qu'on partage la même passion, quelle est la différence de la technique. Eux aussi ont fait une belle fermeture. Et pour ceux qui pensent que le team est un clan fermé, bien qu'on ait prouvé le contraire en organisant un row, ils ont la preuve en image que notre porte est ouverte du moment qu'on partage la même passion. Voilà, certains ne comprennent pas notre pêche, mais là c'est vraiment typique de bande de potes sur l'Aude qui pêchent côte à côte. C'est un nombre encore, je crois. Ouais. Ah là, c'est une belle truite. Beau fiche, hein. Oh putain! Raté! Ah. Raté! Ouais. Fiche! Ah! C'est une truite, non? Ah, ramène pas. Décroché. Encore. Joli, hein.
Allez, au bord. Choroumi. Ah là. Eh bien là. Escapade dans la forêt. On fera tous les quatre une fort belle matinée de pêche, entre 35 et 40 poissons touchés. Mais Couette, lui, fera un festival entre ombre, truite et ombre. Il sera le champion de cette matinée. Bravo à toi, petit Couetou. Truite, là ? Allez, truite. Ah, c'est une truite, tu crois? Tu peux t'attraper? Allez, tire quand même! Un peu, ouais. Il est pas vilain, hein. Voilà le président. Ah, tu mets son premier homme ressorti peut-être.
Ainsi s'achève cette nouvelle saison de pêche. Je vous souhaite de ne pas trop vous languir pendant 6 mois. Je vous donne rendez-vous en 2017 pour de nouvelles aventures. En attendant, suivez-nous sur Team Passion Truite et Mer. Like a